Eh bien, bonjour à tous, bienvenue dans ce tuto numéro 5 consacré à l'utilisation de Usine Olioc pour le spectacle vivant. Alors, dans ce, cette vidéo, nous allons voir comment mettre à profit les presets pour appeler efficacement euh, des sons au sein d'un seul lecteur. Pour commencer, j'ouvre la grille, CTRL G, pomme G. J'ouvre l'explorateur, CTRL B, pomme B. Et nous allons aller chercher un son de circulation que nous allons placer dans la section 1 de la grille. Ceci étant fait, Usine va automatiquement créer un rack par lequel transite l'audio présent sur la ligne 1 de la grille. Je vais vouloir aussi adapter la longueur de ma section à la longueur de mon son. Pour ce faire, je sélectionne le son et je clique sur Adapt Section Duration. À présent, je vais rajouter des sons de klaxon qui vont ponctuer l'ambiance à des moments précis. Je fais glisser mon son de klaxon. J'ouvre mon Player Théâtre. Et là, je constate que j'ai 5 sons. Ce que je vais essayer de faire, c'est de pouvoir Déclencher le son de mon choix à partir de presets que je vais rappeler. Dans un premier temps, je vais placer mon rack dans la grille avec une autre couleur pour le distinguer du son précédent. Et je vais sélectionner mon premier son grâce au point d'entrée/sortie. Je vais faire un zoom sur mon son pour gagner en précision. Et je vais le lire histoire de vérifier que la sélection me convient. Voilà, c'est parfait. Je vais à présent créer un preset. Je clique sur l'appareil photo, je fais new et alt clic pour nommer mon preset klaxon 1. Je vais à présent créer un deuxième preset avec une nouvelle sélection sur le son numéro 2. Je vais reproduire ça sur les 5 sons. Le dernier son étant moins fort que les autres, je vais remonter son gain avant d'effectuer la création du preset. A présent, je vais placer les presets dans ma grille. Voilà, il me reste enfin plus qu'à ordonner le déclenchement de la lecture des presets. Je fais Shift CTRL pour faire glisser le bouton Play dans ma grille. Je fais en sorte de rappeler le preset un tout petit peu avant le bouton Play pour être sûr que mon son est bien rappelé. Voilà, je pourrais utiliser une autre méthode en faisant appel à la liste de sons du lecteur. En effet, dans chaque lecteur, on peut charger plusieurs sons. Ce premier son sera mon preset 1, Rewrite 1. Je rappelle mon son 2, mon son 3, le 4 et le 5. Voilà, on voit que ça marche aussi avec une liste de sons dans laquelle chaque son a été découpé et isolé. On peut aussi, si on veut aller plus loin, éviter d'avoir une série d'actions play en entrant dans le patch pour effectuer une opération qui dira à usine de lancer la lecture à chaque fois qu'un son change. Pour cela, je vais dans les modules. Je vais chercher le module As Change. Je prends la sortie File Number du sampler. Par précaution, je rajoute un module Wait. Et je vais dire à usine à présent de lancer de la lecture à chaque fois que le son change. Voilà, cela m'évite d'avoir à rajouter l'action play à chaque fois que je veux rappeler un son on peut d'ailleurs tester en changeant manuellement les sons ici voilà c'est tout pour ce tutoriel merci de votre attention à bientôt